Seigneur, toi qui as éclairé le firmament par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Sœur Claire, c'est le 29e dimanche ordinaire de l'année C. Texte consacré à l'importance capitale de la prière liée à la vie de foi. C'est Saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Alors il est écrit « En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. » Alors toujours prier, en fait, c'est une constante dans la Bible. David nous dit déjà au psaume 33 au verset 2 « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. » Il écrit ce psaume à un moment où il est en immense détresse, il est poursuivi par Abimélec, il est obligé de se faire passer pour un fou pour ne pas être tué par Abimélec, etc. Et réponse, quoi qu'il arrive, je continuerai à bénir le Seigneur en tout temps et sa louange sans cesse à mes lèvres. Donc depuis David jusqu'à Saint Paul qui nous dit ceci dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, « Soyez toujours dans la joie », ça c'est 16, verset 17, « Priez sans cesse ».« Priez sans cesse », nous dit Saint Paul. Bon, David c'était la louange, Saint Paul c'est l'intercession. Quoi qu'il arrive, cette relation qui nous unit à Dieu ne doit jamais cesser. Dans les Éphésiens, encore Saint Paul, il nous dit ceci, Éphésiens 6, 18, « En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier, de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. » Donc il s'agit vraiment de constance, de s'acharner pour demeurer dans la prière. Voilà ce que nous dit d'ailleurs Saint Grégoire de Nazianze, « Il faut se souvenir de Dieu » plus souvent qu'on ne respire. Voilà. La prière, c'est se souvenir de Dieu, faire mémoire de Dieu, garder une relation avec le Seigneur. Dans l'Épître aux Romains, encore Saint Paul nous dit ceci, Romains 12, verset 12, « Servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. » Donc voilà ce que nous dit le texte pour commencer. Et il insiste « sans se décourager ». Ça veut dire « sans faiblir, sans lassitude ». Ça, c'est la première lecture. Moïse, avec les bras levés, grâce à la communion des saints manifestée par Hur et Aaron, voilà, « sans se lasser, tenir bon ». Le grand modèle dans la Bible, c'est Jacob. Le combat de Jacob. Au sujet duquel il est écrit, c'est Genèse 32, verset 27. Alors, celui qui est en face de Jacob, le personnage mystérieux qui à la fin se révèle être Dieu lui-même, lui dit « Lâche-moi car l'aurore s'est levée ». Jacob répondit « Je ne te lâcherai que si tu me bénis ». Modèle d'acharnement dans la prière « Je ne te lâcherai que si tu me bénis ». Et d'ailleurs, dans le livre de la sagesse, Jacob est présenté justement comme un vainqueur, un victorieux grâce à la prière. Victorieux dans le combat spirituel grâce à la prière. C'est sagesse 10, 12. La sagesse a protégé, alors Jacob, le texte, les versets précédents nous le suggèrent, la sagesse l'a protégé de ses ennemis et l'a préservé de tous les pièges. Elle lui a donné la victoire dans un combat redoutable et lui a fait ainsi comprendre que la piété est plus puissante que tout. Combat redoutable soutenu dans la prière. D'ailleurs, l'Évangile nous suggère aussi qu'il faut prier avec une certaine violence. En tout cas, c'est une interprétation possible de ce texte de Saint Matthieu, chapitre 11. Verset 12, Matthieu 11, 12, où il est dit « Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents s'en emparent. »
violence dans la prière. D'ailleurs, la prière est un combat. Il y a tout un passage du catéchisme de l'Église catholique sur la prière où on rappelle que la prière est un combat. Et un combat, ben, on ne laisse pas tomber. On veut avoir la victoire. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, la parabole que Jésus utilise pour nous parler de l'importance de la prière, ben, c'est une fois de plus ce fameux calvaromère, un genre littéraire, littéraire en tout cas dans la prédication des rabbins, pour dire si telle chose est vraie, à plus forte raison celle-là est encore plus vraie. Et cette méthode qu'on trouve dans Saint-Luc, par exemple, au chapitre 11, au verset 13, « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus, c'est ça le calvaromère, si ça c'est vrai, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Cette méthode, ce genre littéraire utilisé, c'est pour nourrir la foi. C'est pour rappeler que Dieu est infiniment plus juste, infiniment plus aimant que tous les hommes. Donc si un homme est capable de faire ça, à plus forte raison, Dieu est capable de faire 100 000 fois plus. Parce qu'ici, c'est très étonnant, cette parabole du Seigneur. Il est question d'un juste, injuste, mais qui va quand même faire justice. Un juste, injuste qui fait justice. Alors, si un juste, injuste fait justice, à plus forte raison, Dieu, qui est appelé dans le psaume le juste juge, va faire justice. Vous voyez, cette manière de parler, c'est pour installer dans la foi et dans l'espérance. La foi dans la toute puissance de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Donc le juste juge finit par rendre justice parce qu'il en a assez de cette veuve qui vient l'importuner. Et le Seigneur, donc, Saint-Luc dit « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ?» Donc dans le combat de la prière, assidu à la prière, « Dieu ne leur ferait-il pas justice ?» Alors les élus, c'est très beau, ça veut dire les chéris de Dieu, à Marseille on dirait les gâtés de Dieu. C'est ce dont il est question au début de l'épître aux Éphésiens, c'est-à-dire tous les hommes choisis amoureusement un par un, avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4, « Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. » Il nous a choisis, on pourrait traduire par « Il nous a élus », c'est le même mot qu'ici. Voilà. Et le texte se termine par le rapport entre la foi et la prière. Le rapport entre la foi et la prière, c'est très simple, c'est que on ne peut pas prier si on n'a pas foi dans la présence de l'Esprit Saint dans nos vies et si on ne s'y accroche pas de toutes ses forces. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique à ce sujet. Ceux qui cherchent Dieu par la prière se découragent vite parce qu'ils ignorent que la prière vient aussi de l'Esprit Saint et non pas d'eux seuls. La foi, c'est ça. C'est s'accrocher à la présence de l'Esprit Saint pour tenir dans la prière. On a parlé au début du texte de la persévérance dans la prière, et la foi, c'est aussi une question de persévérance. La foi, c'est ce qui fait que je tiens. On a ce très beau passage du prophète Isaïe avec un jeu de mots un peu difficile à rendre en français. C'est dans Isaïe 7, 9. Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Alors, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas dans la prière. Mais l'hébreu dit, si vous ne tenez pas, c'est-à-dire si vous ne vous cramponnez pas dans la foi, vous allez vous casser la figure. Si vous ne tenez pas, si vous ne croyez pas, c'est notre traduction, vous ne pourrez pas tenir. Et je termine avec un texte de Saint Grégoire de Nice qui nous invite justement à persévérer dans la prière et dans la foi. Persévérons dans la prière, car elle dirige et harmonise toutes les vertus. Celui qui persévère dans la prière communie à Dieu. Il lui est uni par une consécration mystique, une force spirituelle, une disposition qu'on ne peut exprimer. Il prend l'Esprit Saint pour guide et pour soutien. Sœur Claire, merci.